Salut, c'est Eric de la chaîne de pêche. Je suis très content de vous retrouver. Je suis en train de terminer cette première session de pêche 2019. Le jour est en train de tomber tranquillement. Première session 2019 pour moi. Vous faites tous mes voeux pour cette nouvelle année, hein. Tous mes voeux de bonheur, de santé, et puis bien sûr, faites de superbes sessions au bord de l'eau, faites-vous plaisir, c'est le principal. Donc ma première session 2019, j'ai décidé de la faire sur cet étang fédéral du Calvados. Pourquoi? Parce que les conditions étaient un peu particulières, donc j'ai décidé de ne pas aller pêcher en rivière. Donc première session là, 2 jours, donc j'ai commencé ma session à 11h du matin, et il est 17h bientôt 30, et ma session va se terminer. Aujourd'hui les conditions météo un peu particulières, beaucoup de vent avec des rafales jusqu'à 60 km/h, 8 degrés, en ressenti 4-5 degrés, mais c'était assez agréable cette session de pêche, au cours de laquelle j'ai réussi à faire quelques poissons, 5 poissons si je me trompe pas. Alors, pas des gros poissons, parce que sur cet étang, il n'y a pas de très 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 gros poissons, mais des poissons avec des belles robes, hein, trois miroirs, je trouve, avec de jolis écaillages. Vous allez voir ça juste après, c'était assez sympa. En plus, j'ai rencontré un gars là qui pêchait le même temps, qui malheureusement, lui, n'a pas fait de poisson, mais un mec très sympa. Bon, c'est ça aussi la pêche, c'est de faire des rencontres. Ma stratégie d'amorçage qui était d'amorcer vraiment très très peu sur spot, donc là où je pêche avec ma canne, avec quelques pelets babycorn, parce que je pêche au babycorn, quelques petits pelets 4 mm sweet cream sucré, une bouillette fraise ou tutti frutti écrasé, et quelques grains de maïs doux. Voilà. Et donc ça, envoyé à chaque fois que j'ai fait un poisson, j'ai renvoyé une petite pelletée de ce mélange, ou quand je faisais pas de poisson, à peu près toutes les heures, une petite pelletée. Et ça m'a permis de faire donc ces quelques poissons, je suis très content de les avoir faits. Donc je vous propose en image de voir ça. J'espère que vous allez prendre du plaisir à voir ces très beaux poissons. Encore une fois, des robes très très jolies, des petits poissons, mais au niveau des robes, je les trouve vraiment très très beaux. Et puis, prenez du plaisir, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et puis, je remercie encore tous les abonnés, toutes les personnes qui me posent des questions, qui participent, j'irai sur la chaîne. J'essaye dans la mesure du possible d'y répondre. Je pense être quelqu'un qui répond sans faute, si on peut dire, rapidement et régulièrement aux questions qui me sont posées sur la chaîne. Allez, bonne année encore une fois 2019 à tous, bonne pêche, faites-vous plaisir, et puis à bientôt. Salut! Alors, pour le montage, c'est simple, vous prenez donc l'hameçon, vous commencez par enfiler donc une bague en caoutchouc. Voilà. Pour éviter que la bague elle glisse, vous prenez une petite perle en caoutchouc, pareil, qu'on utilise pour les montages des rigs. Vous faites glisser. Comme ça, vous voyez, ça évite que la bague ressorte. Et vous mettez donc votre babycorn dessus, tout simplement. Voilà. Vous ajustez la position de la perle ou de votre babycorn. Et voilà le montage, en fin de compte, prêt à pêcher.